là. Je suis parti de là, toi. Ah, l'an passé, j'en ai tué un, là. Mon pauvre, tu arrives ce truc. Hop, tu vois, avec un 12, là. Attends, tu mets quoi, là, des chevrotines? Ah, je mets la chevrotine, moi. Putain, mais attends, c'est interdit, ça. Ah, t'en fous, c'est interdit. Tu vois, j'engraine, là. Putain, t'es gonflé. Ah, oh, c'est pas grave. Tu vois, là, ben, là, j'ai mis des pommes, là, avec le maïs, ouais. Tu vois, j'engraine. Hein. Et normalement, tu vois, quand ils arrivent comme ça, et c'est là, d'en bas, que j'en ai tué un, juste là, tu vois, quand il était venu. Ouais. Mais enfin, moi, ce qu'il y a, c'est que quand ils vont arriver là, ils descendent par le petit caillou, tu vois, là, ils arrivent là, ouais. Et là, ils viennent manger les pommes. Nous, on va se mettre sur la terrasse, tu vois, là-haut, ouais. Et de là, on les verra mieux arriver, tu vois. Ouais, ouais. Surtout avec ta chevrotine. Voilà. Là, c'est pas discret, là, ton goël. Oh, c'est pas grave, et hein. Attends, et si le garde-chasse nous chope, là. Vous, du garde-chasse, hein. Tu connais Montagnier, mon copain de Cassignac. Oh, c'est une bille, lui. 1500 euros, il s'est chopé d'amende. Laisse t'en à foutre, hein. Nous, quoi, quoi. Qu'est-ce que t'en as à faire de lui, toi, ouais, mais c'est pas grave, nous, eh bien, on va tuer un marcassin, ce soir on le mangera comme ça, tu vois. Ouais. Mais de là, tu vois, voilà, bien. Ils arrivent de là, tu vois, les pointes comme ça, là, quand ils vont venir, doucement. Mais si on tire quand ils arrivent en courant, tu vois, on risque de les manquer, donc ils foutront le camp. Mais là, quand ils vont venir manger les pommes, nous, on se met comme ça. Et là, tu vois, comme ça, là, là, quand ils seront arrêtés, on y mettra le coup. Tu as compris? Là, ouais, on tire que là. Ouais, faut pas les tirer là. Si on les vient à les manquer quand ils sont là. Ouais, couillon, avec tes chevrotines, t'es sûr de les allumer? Ah, mais moi je cherche la chevrotine. Mais moi je suis dans la légalité, je tire avec des mais là on n'est pas légal. Là on n'est pas légal. Ici on s'en fout. Ouais. Là au moins à la chevrotine on peut en tuer un ou deux. Comme ça là quand ils sont là, s'il y a tout serré, tu manques pas. Voilà. Alors écoute, je te propose, comme je suis plus précis moi. Je tire d'abord avec ma balle. Si je rate, toi tu allumes avec tes chevrotines. Pas le problème, hein. Mais ne manque pas. Moi je vais. Ça fait sulfate là. Tu vois l'an passé là, j'ai tué un sanglier, il faisait au moins 110 kilos, mon pauvre. Quelle bête! Je te l'ai flingué de là. Je me suis régalé, hein. Tu as gardé la tête? La tête avec les chevrotines, je l'ai explosé, mon pauvre. Moi, j'ai gardé le cuisseau. Et le cuisseau, je me suis régalé de le bouffer. Mais tu penses qu'à la bouffe, toi? Et tu chasses pourquoi, toi? Tu penses pas qu'à la bouffe, mais tu chasses, hein? Je pense. Attends, regarde-moi ça, si c'est beau. Tu as le grand air, je respire, hein, je... Moi, respirer, mon pauvre, je te prends une bière, hein, je te la sirote sous ma tonnelle, là, et là, je respire tranquille. Viens vite! Qu'est-ce qu'il y a? Putain, il y a quelqu'un là-bas. Gardien, attends que le matos. Les gardes? Mais je sais pas si c'est le garde. Regarde. Attends. Ah, bah non. Quoi? Non, c'est l'autre Pembèche. Oh. Tu la connais? Ouais. Ben, c'est l'institutrice, c'est le maire qui nous l'a présenté. Elle nous a foutu un discours, mon pauvre. J'ai rien compris. Elle nous a parlé d'être rude, de machine de l'école. Là, ça, je comprenais que dalle. Mais pourquoi tu l'appelles la Pembèche? Ben, parce que l'apéro, tu sais, elle était comme ça dans son coin, elle regardait là, elle disait rien à personne et tout. On aurait dit une duchesse, tu sais. Alors, moi, c'est duchesse, Pembèche. Tout ça c'est pareil, mais tu sais ce que j'y ferais à la duchesse, moi? Oui. Je te la décoincerai, mon pauvre, il est comme ça. Allez, Gus, qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis bloqué le dos là. Oh merde. Ne me touche pas, putain. Aïe, tu me fais mal. Viens. On va essayer de ramener. Allez, tu me fais mal, ne me touche pas. Redresse-toi. Mais non, je peux pas me redresser, putain, mais tu le sais bien que je peux pas. Mais je peux pas, tu te démerdes, je peux pas. Mais arrêtez de me redresser. Je peux pas, je fais chier. Aïe. Fais un effort, mec. Ah, mais je peux pas, je te dis que je suis bloqué, couillon de. Ah, que tu es, putain. Essaye de te redresser. Ah non, arrête! Amène-moi la voiture, mais je sais pas comment, mais amène-moi la voiture. Appuie-toi sur moi. Ah. Va plus vite. Doucement, Tu seras soulagé après. Aïe, dépêche-toi. Je vais doucement, je me dépêche. Tu sais pas ce que tu veux. Ah, vite, amène-moi la voiture. Ouais, attends, on arrive. Voilà. Ah.
Aïe, putain, mais t'as plus peur de moi, tu me fais mal, tu vois pas que je souffre là. Ouais, je le vois. Mais t'as, prends le volant et amène-moi au docteur. Tu sais bien que ça fait belle lurette que j'ai plus le permis, fait. Putain, c'est vrai. Toi aussi, si tu picolais moins, on serait moins emmerdé là maintenant. Il y a l'hôpital qui se fout de la charité là. Mais qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Mais va chercher quelqu'un. Ben ouais, je vais aller chercher quelqu'un sur la route là, je vais arrêter quelqu'un. Mais dépêche-toi. Reste là, je reviens. Aïe. Quelle histoire! Ah ben heureusement que je vous ai trouvé, hein. Oui, mais je vous garantis rien, je vais essayer. Oui, mais attends, on va essayer, on va voir, hein. Et il souffre le martyr là, hein. Depuis longtemps? Ah ouais, ça fait un moment, hein. Oh le pauvre. Oh Chris, regarde qui je ramène. Ah, l'institutrice. Ouais. On s'est croisé sur le chemin là-bas. On a discuté un peu, elle va t'expliquer. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors, je vais voir ce que je peux faire pour vous. Ouais. Hein, ne vous inquiétez pas. Mon papa, il était rebouteux. Et il m'a donné quelques conseils de manipulation. Mais il faut me faire confiance. Oui, d'accord. Alors, d'abord, vous allez me laisser regarder un petit peu tout ça. D'accord. Hein. Mais dites donc, vous avez fait comment votre compte là pour vous bloquer à ce point-là? On a fait les cons avec Jaco là. Ah, vous avez fait les imbéciles. D'accord. Alors, vous allez me dire, hein, là aussi. Ouais. Bon, ouais, j'ai compris. Ah. Alors, maintenant, vous allez bien m'écouter, hein. Oui. Vous m'écoutez bien. Oui, croisez oui. bien les bras là, sur la poitrine là. Ouais. Attention, hein. Hop là. Ouais, ouais. Quand je vous dirai, vous respirez à fond. Ouais. Après, vous bloquez la respiration ouais. et quand je vous dis, vous expirez. D'accord. Allez, inspirez, bloquez. Expirez. Voilà, voilà. On va faire autre chose. Ouais. Tiens, mettez votre main là sur la. Ouais. Bien positionnée. Et on va faire la même chose. Ouais. Hein. Alors vous allez m'écouter. Hein. Oui, oui. Allez, inspirez. Bloqué. Ça va mieux? Ah ouais. Vous êtes débloqué là? Oui. Respirez à fond. J'ai un peu mal quand même. Hein. Ah, ça c'est normal. Hein. Ah. Il va falloir faire attention au moins jusqu'à demain. Hein. Ah oui. Il faut du repos surtout. Hein. Du repos. Ah, oui. Vous restez bien chez vous, bien tranquille. D'accord. Hein, d'accord. D'accord, d'accord. Ah. Et on s'est pas déjà vu quelque part? Ah si. Mais je me disais aussi. Ah. Au repas du maire. Oui, peut-être. Hein. Quand j'ai fait ma présentation de l'école. Ah, ça y est. Je me disais aussi, je vous avais déjà vu. Ah. Vous y étiez. Oui, oui, oui. Ok. Ben écoutez, je vous laisse, surtout du repos. Hein. Ouais. Allez, d'accord. Au revoir messieurs, au plaisir. Au revoir. Hein. Au revoir madame. Au revoir messieurs, au revoir. Elle est gentille, hein. Ouais, ouais. Elle est sympa, elle t'a sonné. Hein. Tu vas mieux, là. Oui, mais elle est gentille, hein. Bon, je vais pouvoir reprendre le volant. Ah bon. Bon, ben écoute, je vais aller chercher les fusils. Hein. D'accord. Que tu veux que ce soit. Attends, 2 minutes, j'arrive. Ouais. Et merde. Bon, j'arrive. Gus. Oh. Regarde. Le pâté de marcassin de la grand-mère et le carignan du grand-père. T'es. Et derrière, là-bas, il y a un platas de tripousse qui t'attend. On va s'éclater, mon vieux, on va s'éclater. Oh. T'es, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la gueule ou quoi? Non, j'ai pas faim. Attends, tu es malade? Ah, je crois que je suis amoureux. T'es quoi? Je te dis que je suis amoureux. Amoureux, toi? Amoureux, amoureux? Amoureux, amoureux. Attends, t'es amoureux de la même mèche?
Ça fait 2 jours que j'ai pas mangé. 2 jours ? 2 jours. Putain. Qu'est-ce qu'on va faire ? Oh, ça va. Ben, je sais pas. Bonjour. Bonjour. Oh, mais c'est gentil. Je viens pour vous remercier. Oh, mais fallait pas. Eh bien, entrez, entrez. Oh, Jaco! T'es là? Oh, Auguste! T'arrives? Oh! Ah, putain de rideau! Ah! Oh. Alors? Alors, comment ça s'est passé? Tu lui as dit que tu étais amoureux? Ah non, je lui ai rien dit, Jaco. Quoi, tu lui as rien dit? Ah non, je lui ai rien dit. Ben alors? Mais tu comprends pas ce que je veux te dire? Eh non, explique-toi, je comprends pas. Quand je suis arrivé chez elle, là? Oui. Je suis monté, ouais. Et en fait, elle voulait me servir l'apéro. Eh ben, normal. Et moi, je me suis levé, je suis allé voir dans sa bibliothèque. Ouais. Il y a des titres que je comprenais même pas, Jaco. Ah. Ouais. Tu comprends maintenant ce que je veux te dire? Ouais. Ouais. Ah, t'as compris? Ouais. Jaco. Quoi? T'as toujours ton pâté? Eh oui, je l'ai mon pâté, je vais te le chercher, tiens.